tous. Bonjour. Avec épée. Salut épée. Ya, yeah, bonjour. C'est le matin, épée me fait lever tôt pour tourner. C'est qu'une question d'habitude. T'aimes bien tourner le matin, toi? Oui, j'aime bien. L'après-midi, il fait beau, donc on sort. T'as toute la journée devant toi après. Voilà. C'est un bon, bon après, début. Le matin, il est pas 6h du matin non plus, les gars. Donc, on se retrouve pour nos aventures modées. Ça faisait longtemps, la dernière fois, c'était sur Regrowth. Oh, ça date. Ça date. On en a fait 3 de modpack, non? Oui, 3. On a fait Material Energy 4. Void. Void World. Et Regrowth. Et Regrowth. Void, on l'a fait après ou avant Regrowth? Après. 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 Oui, c'est après. Le dernier qu'on ait fait. Ouais, Material Energy, j'en garde un super souvenir. Regrowth, c'était sympa, mais au bout d'un moment... Farm. Oui, et encore, ça a beaucoup changé, Regrowth, hein, par rapport à la version qu'on a fait. Beaucoup changé. Il y a eu Millénaire qui a été rajouté, Mechanism à fond. Tellement de choses, en fait. Ah, c'est peut-être pas mal, ça. Enfin, bon. Et Void World, il était sympa, mais plus RP, en fait. Oui. Donc, c'est un petit peu différent, aussi. Mais aujourd'hui, nous allons voir totalement autre chose. Galactic Science. Qui tourne surtout autour du mode Galactic Craft, ce qu'on n'a jamais vu. Oui. Enfin... Toi? Moi, j'ai jamais vu. Toi, tu l'as vu. Enfin, je le connais, hein, mais de nom, etc. Mais on l'a jamais vu, en tout cas, en série modée ensemble. Et l'histoire, si je dis pas de bêtises, ça ressemble un peu à Fallout. De toute façon, on va le voir une fois qu'on sera co-serveur. À savoir que la Terre est dévastée par guerre nucléaire, etc. Mais au lieu d'aller se cacher sous Terre, nous, on part dans l'espace, on est comme ça. On est trop riche. Space. On est trop riche, on fait des vaisseaux spatiaux, c'est magnifique. Bah, du coup, je me connecte au serve. Ouais. Yolo. Le guingain. Le gang. Du coup, on va pouvoir faire des fusées, les gars. Ouais. Pouvoir s'envoyer en l'air. Exactement. Alors. Oh, Space Raz Manager. Vas-y, attends, faut que je fasse un flag. Ah, oui. Puis, Ouh. Oh, c'est beau ici. Ouais, et puis il faut que je t'ajoute d'ailleurs dans la game. Ouais, il faut qu'on soit en partie. Attends, hop. Comment ça back. Tac, tac, non. Tac, oui. Team du swag. Oh bah tu m'invites, ouais. Hop. Hop. Back. T'invites du coup, votre player, EP4, s'en invite. Ah, oh, c'est même... Je sais pas si tu l'as eu, l'invite. Si, j'ai même eu dans le chat. Oh, classe. Ah d'accord, j'ai pas la permission. Ah merde, comment ça marche? J'ai oublié. Alors, apparemment, on a l'air d'être sur Terre, mais pas vraiment, puisque j'ai plus l'impression qu'on est sur la Lune, hein, on fait des traces de pas, et ça ressemble à la Lune. Ah bah oui, on est même sûrement sur la Lune. C'est trop classe quand même avec la vue de la Terre. Oui. Par contre, je vais devoir OP, donc moi je me fais une petite ellipse. Vas-y. 3, 2, 1. Ah, voilà, les petits trucs de config réglés. Donc pour info, oui, on commence directement sur la Lune et... Attention, épée. Oui. Oui. Donc voilà, premier épisode, ça va être que ça. Oui. Oh, il y a un météore tombé. Oui. Ah oui. Alors, la Terre est censée avoir été détruite par une guerre nucléaire, mais regarde, ça me semble bien vert encore. Hein. Oui. Il y a beaucoup d'eau encore. Ouais, il y a encore beaucoup de flotte. Bon, ça, à la limite, elle est juste radioactive. Donc, on a notre quest book. Je l'ai ouvert. Oui. Du coup, on voyait pas le début. C'est pas grave. Comment on fait pour revenir à la page d'ailleurs? Clic droit normalement. Ah, voilà. La Terre. Alors j'aime bien l'image parce que l'image, enfin le type d'image, je trouve que ça ressemble un peu au genre de dessin de Fallout. C'est d'ailleurs la fusée, je me demande si c'est pas. Ça y ressemble beaucoup. Ça y ressemble beaucoup, ouais. Il y a clairement une référence. Donc la Terre, c'est le passé. Détruit par l'humanité et leurs besoins de puissance. Alors, on a réussi à voler, à s'enfuir de ce désastre appelé la race humaine et de démarrer une nouvelle vie sur la Lune. En utilisant la vieille base lunaire de vos parents, on a fait notre nouvelle maison en espérant garder la race humaine vivante. Bon, heureusement, on est deux épées, c'est bon, on va pouvoir garder la,
la race humaine vivante à nous deux. Avec. Don't mind the tree in your house. Il y a un escalier. Faut pas qu'on fasse un arbre dans notre maison. Ok, d'accord. Bon, comme d'habitude, nous avons des quests, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bah voilà, comme d'hab. Oh putain, Stargate SG Minecraft, ça je veux ça. Au niveau des modes, on vous a pas montré, je vais juste vous montrer. C'est dans quoi? Mode option. Voilà, on les a un peu là. On a certains que je connais pas. On a Force Space. Je pense que c'est les trucs de base de. Peut-être pas Voilà, Galactique, ouais. ça permet d'ajouter des planètes. On a Mercure, Pluton, Vénus, etc. Après, on a les classiques, générateur. Ah, on a Electrical Edge. On a Electrical Edge, ah, d'accord. On a Blood Magic. Pop Chisel, on s'en fout. Toujours la Chisel. Hein. Dimensional Storage, apparemment. Electric Edge, Ender IO. Ça, on connaît bien. Nuclear Craft. Oh. Voilà, Galactic Craft, évidemment. Greg Stargate Craft, tiens, ça c'est pas mal ça. Hop, hop, hop. On fait le tour comme ça, vous voyez ce dont on aura à faire. Mindshame, alors Mindshame, on l'a vu 50 000 fois, on l'a jamais vraiment exploité à fond Mindshame, notamment les fusions, les réacteurs à fusion et tout qui sont pas mal. Nuclear Craft, oh, on a Open Computer, ok. On a pas mal de choses. Quantum Flux, Hop. Polar Flux évidemment. On a le TARDIS mode et le Dalek mode. Alors ça c'est swag. Je l'avais déjà vu, il me semble, le TARDIS mode. Ça, on va pouvoir créer un TARDIS et tu peux. C'est comme ça qu'on va peut-être passer de planète en planète en fait. Oh, ça va être cool. Dalek mode, on connaissait pas du tout avec épée. On a regardé juste une vidéo de présentation qui nous a convaincu que c'était bien. On dirait pas plus. J'espère qu'on arrivera à faire ce qu'on a vu dans cette vidéo. Ouais. Alors, attendez. Open. Finding the moon. Alors, reward. Ah bah cool. Ça donne déjà des belles choses. Une claim. D'accord. Ah, c'est chiant parce qu'elle va rester en unclaimed. Ok. Alors, l'aluminium qui se transforme en copper, le copper qui se transforme en aluminium, ça permet d'équilibrer. Ah, c'est pas mal. Wow. Oui, schématique. Pour avoir, ouais, NASA, workbench, schématique, diamant qui se transforme en émeraude, obsidienne en. Ok. Ouais, puis après, c'est l'équivalent de crafting. Ah, attends, tu me permets, mais j'ai crafté un peu trop de bouquins. J'ai claim à l'infini là. Putain, c'est Ah, trop bien, ah oui, d'accord. il y a même la gravité sur. Oui, Space. Bon, manuel d'Open Computer. Descendons. Qu'est-ce qu'on a? Ah! On a un petit arbre. Alors apparemment il faut pas le casser cet arbre. Hein. Oui. Il précisait bien. Je pense que c'est ce qui génère l'oxygène. C'est ce Ouais. qui génère bien l'oxygène, oui. Oxygène compresseur. Et je No pense. valid oxygen tank. Comment ça? À mon avis, bah parce qu'il faut que tu mettes tes tanks d'oxygène que tu as sur toi dans ton inventaire. Tu as un deuxième onglet. Ouais. Et tu as un tank qui est en train de descendre. D'accord, oxygène remaining. Ok, c'est ce qu'on voit là-haut, en haut à gauche, Oui. dans notre interface. Hop, et donc du coup, si par exemple j'enlève mon tank, alors on a aussi oxygène gear et le max oxygène, je le mets ici, voilà, hop. Bien sûr, tu as l'énergie qui descend et l'énergie peut être régénérée normalement grâce à une star que tu as dû avoir dans la première quête. Hop. Attends, je m'en remets mon petit tank. Mais la star, elle est ici, Star Harvester. Ça y est, Ah! elle est Alors, attends, vide. la première quête, on va commencer. A World New Moon. Welcome home! Reward. Ah bah, tu l'as fait la reward? Oui. Ouais, completed. Donc là, ça l'a fait que pour toi, par contre, pas pour moi. Bah t'es venu dans la partie? Ouais, je suis dans la partie. Ah! Attends, non, ok, elle est là, excuse-moi, je regardais pas la bonne. Ah Qu'est-ce oui. qu'on prend? Un bon croc ou de la dirt? Je prends plutôt un bon croc, non? Parce qu'on a déjà 5 de dirt là-haut. Ouais. Hop, donc avec ça, on va pouvoir planter des arbres, tout simplement. Ah d'accord, maintenant tu ne peux plus claim deux fois.
Ah, c'est-à-dire que tu l'as pas clem, toi? Je l'ai clem que moi? Bah tu la clames de ton côté, ça m'a enlevé de mon clem. Ouais, alors c'est fait exprès pour éviter. Souviens-toi, c'était un peu pété. Oui. Dans Regrowth, notamment, quand il nous fallait des graines, on avait déjà quasiment tous les éléments, on pouvait faire la graine. Et c'est ce que je te disais, en solo, ça devait être l'enfer. Oui. Donc ça équilibre. Même si on est en partie, au final, il considère qu'on doit avoir. C'est bien, ça évite de trop péter si t'es 4 ou 5, quoi. Alors attends, on va lire tranquillement un petit peu. Voilà, les trucs, machin. Donc la Star Container. To insert it back after right click. Ok. Alors la Star Container. Tu l'as remis la Star ou pas du tout? Oui, je l'ai remise là. No Star in place. Alors attends, il expliquait dans le Ah, bouquin. bah Hop. voilà. J'ai Comment tu l'as activé? juste fait un clic dessus et c'est en train de recharger. Oh putain, mais ça nous aspire, c'est énorme. Oui. Ouais, c'est ce qu'il disait, voilà. Shift right click avec une main. Ah non, oh, il dit rien de plus. Je sais pas comment l'activer. En fait, la star doit être dedans et tu fais juste un clic droit dessus pour mettre le corps à l'intérieur. Ok. Alors du coup, ça génère. Voilà, ça génère du courant et voilà. Ah, c'est bien alors. Par contre, le truc est. Ah si, il doit y avoir des câbles en dessous, on les voit pas. Ouais, les câbles sortent ici. Parce qu'on a des aluminium wire. Mais du coup, ça a rechargé entièrement, regarde. Ça, c'est full en énergie. Et celui-là là-bas prend encore de l'énergie. Il Alors, prend, il la est. seule truc que je me pose. Voilà, tu fais un shift click pour l'enlever. Vas-y, envoie-moi la petite étoile. Normal, Quel ah oui, plaisir. bah oui. Ah, il y a une limite de power. Il reste 25 millions de RF. Bon, ça va. On a encore un peu de stock. Et attends, comment je la remets? Tu mets la grosse violette dedans. Ah, il y a le Star Container. Non, faut que je mette le Star Container, non? Oui, et ensuite tu mets la star normale. Voilà, ok. Alors, le seul truc que je me pose, c'est qu'il y a un buffer storage. De combien? Normalement, c'est 100 000 RF. On la laisse tourner du coup. Oui, on peut la laisser. Ah oui, toi t'étais en train de remplir tes tanks. Ok, on va se dépêcher après parce que sinon on aura des problèmes d'oxygène, les gars. Compresseur. C'est long à remplir. Ouais, c'est assez long. Bah, c'est surtout les très grosses tanks, hein. C'est Par contre, voilà. du coup, tu vois, on est deux, donc faut faire gaffe par rapport à ça parce qu'on consomme deux fois plus d'oxygène. Alors, de toute façon, on a un arbre à l'extérieur, évidemment, un arbre sur la lune, c'est connu. Hop, vas-y, ton tank est full, je vais mettre le mien. Je charge à fond. On va aller récupérer ce tank-là. C'est chiant cette étoile qui nous aspire, mec. Oui. Alors, just breathe. Heavy oxygen tank. À mon avis, il doit y avoir une batterie quelque part, parce que pour que ça stocke autant. Ah oui, alors par contre, peut-être pas le bon plan que je m'enlève l'oxygène. Oui, non. Il nous en faut deux mecs pour. Pour Clem. Ouais. Tu m'en passes un éventuellement? Pour éviter que je crève. Voilà, alors reward. Melon seed, reward bag ou wooden pickaxe? Wooden pickaxe, on peut le faire. Par contre, melon seed, ça peut être pas mal. Melon, oui, ça peut être une première partie de bouffe. Hop, c'est claim. Alors tiens, je te renvoie un Ah, d'accord. petite. Était aspiré. Ok. Donc ça c'est fait. The surface. Ah, il nous faut du moon turf. Une Du moon turque, turf. bah, Alors on le peut lire sol. un petit peu ce qu'il raconte aussi. Donc ça c'était les trucs d'oxygène. Donc on les a remplis à fond comme il a dit. La surface. Donc peut-être qu'on va pouvoir se servir de ce truc-là. Voilà, on doit en prendre juste au cas où. Bon, en attendant, on va casser cet arbre-là. Peut-être, je vais utiliser le bonne croque sur les feuillages. Ah oui, Ouais, pour avoir les ça petits y est, vers. j'ai eu des vers. J'en ai eu un. Puis peut-être possible d'avoir des saplings en plus. Voilà. Ouais.
pour ça que j'utilise vraiment à fond. Ça, on connaît, on l'avait vu sur. Comment ça s'appelait ce. Agrarian Sky. Agrarian, oh putain. Fait des cauchemars encore ce truc. Ça serait bien qu'il y en ait un troisième. On a une pomme, mec, de la richesse. Et revenez là, les saplings, elles volent tout doucement. Ouais, alors des feux d'artifice sur la Lune, hein, évidemment. Normal. Il y a de l'air. Hein. C'est tellement swag la Terre et le Soleil qui bougent à des vitesses totalement différentes, du coup, ils bougent beaucoup plus lentement. Oui. Ça, c'est bien foutu. Le bois! Oui. Ça lassera jamais de ça. Non. Bon, hop. Au moins, c'est bien, on te tue à la trace. Voilà. Ah, you don't feel tired right now. Oh, il faut une cryogénique chamber pour dormir dans l'espace. Pas mal. Ah, cool. Pas cool, mais. Attends, du coup, je vais en profiter. On va replanter des arbres, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Ça va vachement bien pousser, mais. Bah, il y a de la bonne mil. Ah oui, c'est pas fou. Ouais, en fait, non, il faudrait garder deux. Ah, mais il y a. Ouais, mais sans eau. Non, on peut rien faire. On peut pas planter les melons seeds, hein, je pense. J'ai un doute. Tu peux les planter. Oh, ça poussera pas, je pense pas. Sans eau, je crois pas. Voilà. Je nous fais une petite pioche. Vas-y, je suis en train de récupérer de la moon stuff. Du quoi? Je suis en train de récupérer du caillou de la lune. Ah, tu peux directement taper dessus? Ouais. Bon, c'est long, mais ça part. Ouais, c'est plus simple avec une petite pioche en bois. Ah, et en dessous il y a de la. Ah, c'est de la moon. Du moon turf. Et en dessous il y a de moon dirt. Ça, t'en as combien? Je pense qu'on en a 20 là. J'en ai 15. Oui! Alors, claim reward. Tiens, tu veux peut-être un petit peu de bouffe, mon épée? Volontiers. Voilà, hop, comme ça. Oh merde, attends, je t'en ai trop passé. Bon, je l'ai récupéré, c'est bon, c'est bon. Oh, on a déhydra. Non, mais non, t'en as combien, toi? Bah, j'en ai 10 plus 3. Oh, ok. Voilà, parfait. Ça, c'est équilibré. Ok, donc la bouffe, c'est bon. Oh, fail. Ah oui, Fel, c'est il faut que tu meurs une fois. D'accord. À toi Ok. l'honneur. Alors, faut qu'on fasse une wooden axe et on aura une axe en. Bon, pour avoir plein de bois, du coup. On a un nombre limité de vie comme dans tout quête ou pas? Non, normalement c'est pas mis en hardcore. Non, cool. Ouais, je suis pas fan non plus du hardcore. On est là pour avancer tranquillou, pas pour. N'oublie pas que t'as une table de craft dans ton inventaire. Oh putain, ouais, j'ai créé une table de craft alors que ça servait à rien. Donc, ça, c'est un mode qu'on a rajouté. Hop, attends, je vais poser plein de trucs ici. Oh, j'ai un reward bag. J'ai posé plein de trucs dans le coffre. Waouh, 128 marbles dans mon reward bag. Oh, excellent. Tout content. Putain, les réglages champs sont chelous, les gars. Les coffres, on les entend pas, par contre, le reste, c'est violent. T'as flemme la quête ou de la axe? Non, pas encore. Vas-y, bah, claim là, prends un reward bag. Alors, qu'est-ce que t'as eu en reward bag? Des colorants. Waouh! Excellent. What a quest! Ah, excellent. Donc là, de toute façon, voilà, on fait tous les trucs de base. Donc ça, c'est ex nihilo, hein, à l'acte save. Bah vas-y, on va faire un Oaxiv et compagnie. Il y a de la bonne mine si tu veux faire pousser quelques arbres. Ouais, tiens. Ah oui, bon, ça va, il y a ce qu'il faut. Alors, Oaxiv, il me faut des silk mesh, il faut des strings. Comment on a des strings déjà avec les silkworms, hein? Oui, les petites babettes. Ah, excellent. Un arbre géant dans l'espace, normal. Putain, Ah. what the fuck ce réglage chon, les gars? Ah oui, on a le mode tricapitator, donc tu prends 150 ans à couper une bûche. Oh non! Et ça te Ah casse oui, mais. tout l'arbre. Ça casse tout. Comment on fait? Non, mais j'ai les silks, mais. Non, j'ai les silkworms, mais comment tu les transformes en.
Tu fais un clic droit sur l'arbre et ça va le contaminer en feuilles blanches. Exact. Bon, vas-y, on garde un arbre pour ça. Tiens, il Bon, y en a un bah. géant. Amuse-toi. Tu veux qu'on contamine le géant? Oui, vas-y. Voilà, infested leaf. Exact. Bon, du coup, je te laisse couper les arbres hein, au KLM. Attends, bah moi j'ai ma hache en bois, c'est encore plus lent. Oui, par ici. Je vais m'amuser. T'y arrives. Oui. Ouais! Oh, bah, il a rien droppé à part du bois. Space. Merde, t'as pris tout le bois. Alors, c'est en train d'infecter, c'est à 28%, c'est un peu long. On attend que tout s'infecte de toute façon. Ouais. Je suppose. Regardons les quêtes autour. Faut qu'on fasse un Noack Barrel. Barrel, Alors. c'est du bois et une slab, je crois. Ouais. Mais je sais plus. Non, c'est pas du bois brut, ça je confonds avec les. Les jabas. Zaba. Ouais, c'est ça. Alors Bizarre. attends. Bizarre, je Ouais, tu connais du tous les modes. bois, mon petit épée. Tiens. Ouais. Ah oui, faut bien qu'on se le lance vite. Ah oui, c'est vrai que. On a le crafting directement ici, c'est ça que je voulais vous montrer. Il est vraiment pratique. Donc c'est comment il s'appelle ce mode-là? Inventory crafting mode. Inventory crafting mode. Top 2 craft dans son inventaire, c'est cool. Ça évite de poser des tables partout. Ouais. En reward, je vais prendre de la dirt plutôt que des saplings. Hein. Oh putain. Attends mais mec, le son des rewards me démolit. Les oreilles. Ouais, je sais pas pourquoi, on dirait qu'il y a deux réglages de son en fait. Après ça, tu peux le supprimer, le son. C'est assez marrant. Hop. Faut dit de dirt. Ah, mais oui! On peut faire de. Je vais mettre le tonneau à l'intérieur. De la dirt. Évidemment, tu amasses sapling ou pas? J'en ai 36. Tiens, on voit, je vais faire de la dirt. C'est pour ça qu'on pouvait prendre Hop. en reward, putain, toutes les traces de pas qu'on fait. Alors, faut qu'on fasse gaffe à notre petit oxygène, hein, évidemment. Ouais, c'est pas faux. Bon, ça va, j'ai encore une bouteille sur moi, une ou deux. Ah oui, bah oui, t'as la première quête. Moi, j'avais pas. Je vais faire quelques barrels pour le compost, parce que. Oui. Alors on peut le faire avec les saplings, les pommes. Ouais, avec plein de trucs. Les verras d'ailleurs. Bon, alors les pommes, moi je les garderai perso. Oui, pareil. Parce que. Bon, attends, hop. 3, 4. Ouais, le bruit des coffres, mec, je les entends pas. Oui, c'est sur la lune ça. C'est pour ça, ouais. Alors désolé si vous avez pas beaucoup les autres sons, mais sinon ça nous arrache les oreilles, les mecs. Ah oui, ça composte. Attends, poupousse. La poupousse. Est-ce qu'il pleut sur la lune? Ouais, ah ben, j'espère que non. La pluie, ça va, on s'en passera. Au moins on aura de l'eau. Y a-t-il encore quelques saplings? Non. T'as de la bonne mil. On va re-récupérer peut-être des. Oui, la bonne mil est là. Des vers. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Sur un arbre et sur les autres, par contre, on va les. Vas-y, celui-là, je récupère les vers. Oui. Ouais, puis je récupère ma sapling aussi en fait. Putain, ça demande tellement de bonnes mines sur les armes, c'est fou. Bah c'est la lune mec. Déjà ça pousse, te plains pas, hein. Oui. Ouais, heureusement que j'ai eu un vert hein, sur le premier, ça a l'air assez rare. Je crois que t'as 2% de chance de l'avoir. D'accord. Putain, il t'a qu'un seul bonne croc. Tellement dans la merde si t'en as pas. Si tu peux en faire un en bois. Ah ouais. Avec des sticks. Not bad. Bah tu recherches crops. Crop. Pas les mêmes. Masse dirt. Combien on doit en faire de dirt dans la quête? 10. 10. Ah, il m'en manque une. Bah, elle est en train d'être faite. Ouais, au pire, il y a des saplings. Merci. C'est aspiré par le truc en dessous en plus. Ah, d'accord. Sachant Ouais, que je. le bois il a été retiré de ses feuilles, maintenant tu peux couper la bûche une par une. Ah ouais. C'est chelou.
Alors, on récupère des strings avec la bonne croque après sur les infested leaves, hein, c'est ça? Oui. On va attendre que l'arbre soit entièrement infesté, hein, c'est en train de se répandre, ça se répand assez vite. Désolé. Hop! La terre qui est quasiment compostée. Hop, dirt. Et voilà, on peut garder la quête. Ah bah tiens, on peut. Qu'est-ce qu'on chope? Un silkworm ou des strings? Plutôt un silkworm, non? C'est le petit ver, ouais. Ouais. Oui. Ouais, vaut mieux. Les strings, on va les avoir juste après. Putain, il y a des putains de collants. Oh merde. Le truc qui sert à rien. On a de la dirt. Je sais pas si les arbres poussent tout seuls sur la lune. On va essayer de. Bah vaudrait mieux. Oh, il y a un Plusieurs. tin canister. Plusieurs. Ouais, on en a eu en reward. Par contre, j'ai l'impression que la bouffe, on l'a tous les deux, non? Non. Ouais. Ah, GG. Ah oui, non, c'est un tin canister, d'accord. Ah merde, alors attends, ma touche. Posez-moi ma touche contrôle et pour le zoom. Zoom, zoom, on va faire. Left menu, je sais pas ce que c'est, left menu, c'est déjà. Là, je peux sprinter, c'est un peu mieux. Attends, ici, je vais les séparer pour éviter qu'ils. L'un dans l'autre. Putain, ça se jump en l'air, mec. Mais je Oui. pense qu'il faut forcément de la bonne mille sur la lune pour que ça pousse. Ouais, ou de la lumière. Ah bah sachant Oh. qu'il fait jour, donc il fait jour. Du Ouais, il fait coup. jour tout le temps sur la lune. Non, non, il fait nuit aussi. Oh, ça va être l'horreur la nuit. Surtout que c'est très long la nuit. Bah ouais, c'est surtout ça. On s'active un max. Alors, hop. Je vais mettre juste une petite plantation de melon. On va voir si ça marche en zoo, mais j'y crois pas trop. J'ai planté le melon, hein. Et j'ai pas pris le melon. Attention, ne pas confondre. La quête suivante. Eh ben, il faut qu'on fasse le sieve, mais pour ça, il faut qu'on attende Que l'arbre fasse son boulot. que le silkworm. Voilà, il y est presque. On a assez de bois ou pas? Là, j'en ai mis un stack dans le coffre. Ah oui, un stack de bûches. Est-ce que tu veux que je fasse pousser un arbre et que je remette un silkworm? Ça Sachant que. pourrait être bien. Attends, on peut. Non, bouge pas, bouge pas. Tu connais cette technique-là ou pas? On va pas faire pousser un arbre. Je me souviens plus. Mais il me semble que pour faire pousser un gros arbre. Ah, tu mets des bûches autour et tu. Je crois que c'est comme ça qu'on fait. Ça date, ça. Ouais. Je Tu sais pas si l'avais ça fait il y a marche. très longtemps. Je sais pas si ça marche toujours. J'ai peur d'utiliser masse bonne mille. Ouais, ok, j'ai plus de bonne mille. Bon, bah voilà, hein. Attends, non, vas-y, on casse. Normalement, c'est comme ça. On met un cerclage de slab et ça vous donne forcément un gros arbre. Bon, là, le problème, ouais. En fait, j'aurais peut-être dû continuer. Le problème, c'est qu'on est sur la lune et la bonne mille ne fonctionne pas à 100%. Ouais, bon, on en a plus. On leur a tenté au moins, les gars. On a un silkworm en stock. Si les arbres poussent normalement, je pense qu'ils finissent par pousser normalement. Regarde de tes bouteilles d'oxygène au cas où. J'en ai une qui est. On le voit en haut à gauche. Hein, Ouais. donc. Je vais peut-être en re-remplir une, tiens, au cas où. C'est ce que j'étais parti faire parce que les miennes étaient vides. Vas-y, je suis en train de remplir celle-là. Hop, ça va consommer un peu de la deuxième. Bon, on a deux bouteilles, hein, ça va. Cet arbre est quasiment, a quasiment fini d'être contaminé. Il reste des petits feuillages. Oh, ça va, c'est cool. Faudrait que l'autre à côté, par exemple, il pousse super géant et. Et qu'ils soient collés, comme ça ils s'infestent l'un Voilà. l'autre. Ça évitera d'en remettre. Est-ce qu'après en faisant, bon, imaginons, là on l'a pas, mais en faisant des, tu sais, des trucs pour récolter les feuillages, tu colles les feuillages et tu fais un transfert comme ça. Ça Tu peux, ouais. doit marcher. Bon, hey, moi ce que je veux récolter, on peut le récolter, le petit météore là. J'ai pas l'impression. À la pioche. En fer, en caillou plutôt. Peut-être. Falaine. T'as vu qu'on a du sable au bout? Ouais, je sais pas à quoi il sert le sable. Peut-être les. Comment ça s'appelle? Bon, ça va être La les. sugar cane. Ah, oui, pas con. Ouais, mais il faut de l'eau.
Est-ce qu'il y a d'autres quêtes qu'on peut faire pendant ce temps? Bon, j'arrive pas à le récolter le truc. Bah l'arbre, ouais, je vais commencer à récolter l'arbre. Donc je le récupère avec le... Avec le bonne croque, c'est ça? Oui. Bonne croque. Une crook. Il y en a rien, mec. Ah si, ça y est. Ok, il y a vraiment trop des quêtes avancées qu'on pourra pas faire maintenant. Mindshame, non, on n'a pas d'énergie, donc ça risque d'être dur. Ouais, bah là, de toute façon, on fait vraiment le début, hein, c'est normal. Ah, bah je peux commencer une autre quête, faire des barrels, tiens. On Et a pas. j'abats. Ah oui, des barrels, barrels. Pas des. Ok. J'abats bien. Ben go, de toute façon, là, moi, je vais juste faire. On va faire l'eau active et puis on se laissera là pour ce premier petit épisode tranquillou Tranquillou. sur la lune. Bon, ça marche bien, j'ai plein de fils, mec. Ah, et j'ai re un silkworm. Ok. Ah bah ça c'est cool. Et on a un arbre qui a poussé. Vas-y, je vais lâcher un silkworm dedans. Comme ça, voilà. Un petit arbre, mais c'est pas grave. Hop. On a encore un silkworm tant qu'on en garde un peu. Comme ça c'est tout beau. Je prends des storage upgrade. Ok, j'ai une clem, une autre quête aussi. Oui, c'est un plaisir. Bon, j'ai deux silkworms. En fait, ouais, ils nous ont... Ça servait à rien que dans la quête je prenne un silkworm parce que. Quoi qu'il arrive, on en obtient plein. Une version. Ah, les feuillages disparaissent à certains endroits alors que ça devrait pas. Bizarre. Bon, il l'a pété, lui. Voilà! Et c'est marrant, on n'entend vraiment pas le son. Oui. Oh putain, maintenant faut que je détruise cet arbre. Bon, on a plein de silkworm, mec. Hein. Oh bah ça c'est bien. Énergie, open, quest. Et j'ai 58 fils. Alors, on va faire. Oh! Des petits chests. On va faire le Oaxiv. Et pour ça, il faut. Mesh. Dolly ça attendra. Une barrel. Voilà, ça c'est Bon bah pareil fait. comme ça. Et l'eau active. Je m'en doutais que je m'étais fail. Non, c'est pas ça. Oula. Hop, reward, ce reward bag. Et on a du gravel. Et messieurs. Ouh, 128 marbres. Une fois de plus. Incroyable. Ce stockage de marbre, mec. Bah écoutez, sur ce. On va se Merci. laisser là? Ouais, grand plaisir. Je vais casser. Attends, je vais juste casser. Voilà. Merci. Putain, il partait. Hop, et on a le actif. Ah cool. Allez, à la prochaine! Ciao, Bisous, ciao, bisous. ciao! Oh, un arbre.